Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri. Pour les trois petits voyants du Portugal, Lucia, Jacinta et Francisco, un mois vient de passer. Le 13 mai 1917, ils avaient vu la première apparition, la première fois la Vierge Marie leur parlait. Ils avaient déjà été complètement plongés dans une expérience inouïe. Ils disaient que dès la première apparition, au mois de mai, une lumière si intense jaillissait de la Vierge Marie, et cette lumière venait sur eux, comme dira Lucia, nous avions l'impression d'être en Dieu. Un bonheur que rien sur la terre ne peut égaler. Et durant cette première apparition du mois de mai, rappelez-vous, ils avaient eu la promesse, car après avoir demandé à Marie, ne sachant pas encore que c'est la Vierge, d'où venez-vous ? Et que la dame leur a dit « Je viens du ciel » et que Lucia avait demandé « Irai-je au ciel ?»« Oui, tu iras. » Et Jacinta « Oui, elle ira. » Et Francisco « Il doit prier davantage. » Il ne priait pas assez. Et le petit va dire alors « Des chapelets, j'en dirai autant qu'elle en veut, la dame. » Et voici que ainsi commence le dialogue entre Lucia et Notre-Dame de Fatima, le 13 du mois de juin. « Que voulez-vous de moi ?» dira Lucia. « Je veux que vous veniez ici, le 13 du mois qui vient, que vous récitiez le chapelet tous les jours, et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Voyez comment déjà s'installe
l'identité profonde de Notre-Dame. Elle donne des axes très clairs pour la vie de l'âme et la vie sur cette terre. Elle va tout à l'heure révéler son cœur, le fameux cœur immaculé qui va d'ailleurs être fêté. Et voici que elle commence à montrer comment s'exerce sur les personnes qui se consacrent à son cœur, comment s'exerce son influence. Elle va clairement faire comprendre ce que le ciel attend de nous tous, non seulement pour la vie de l'âme, mais également sur des choses très concrètes de notre vie en ce monde. Et là, elle dit « Je veux que vous récitiez le chapelet tous les jours ». Et on sait très bien que cette exigence n'était pas simplement donnée aux trois enfants, mais elle devait s'étendre à toute la chrétienté, à chaque personne. Et ces enfants-là, n'oublions pas que Jacinta n'a que 6 ans. Mon Dieu, quelle fidélité ils vont montrer à cette première exigence. Ce chapelet, ils le diront, mais tous les jours, mais évidemment. Et Lucia en dira, et Jacinta même plusieurs par jour. Notre-Dame, en nous disant ça, fait comme fait fondre au soleil, j'allais dire, comme la neige fond au soleil, elle fait fondre toutes nos fausses excuses. J'ai pas le temps. J'oublie. Je suis accaparé par plein de choses. Oui, c'est vrai. Mais si tu dis ton chapelet tous les jours, tu verras comme toutes ces choses qui t'accaparent iront de l'avant. Parce que tu appelles à ce moment-là l'intervention du cœur de Marie. Sinon, toutes ces choses qui t'accaparent resteront là et tu seras livré à tes propres forces, seul, bien seul, pour faire face. Et Marie nous dit à ce moment-là, si vous priez le chapelet tous les jours, vous verrez combien mon intervention sera puissante et forte pour vous. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Le temps que vous donnez au chapelet ressemblera, vous savez, à ce jeune homme qui, sur la montagne en Galilée, avait 5 pains et 2 poissons. C'était rien, rien par rapport à 5 000 hommes. Mais il le donne. Et tout se multiplie. Marie nous dit, faites de même. Donnez-moi ce quart d'heure, ces 20 minutes par jour pour dire le chapelet. Soit d'un seul coup, ou alors répartis dizaine par dizaine dans la journée. Et vous verrez combien les choses vont se multiplier, vos capacités, votre attention, les circonstances. Oui, c'est vrai, et les vrais dévots de Notre-Dame de Fatima en font toujours l'expérience. Sinon, pauvres de nous. Ensuite, elle dit, je veux que vous appreniez à lire. Pourquoi ? Surtout Lucia, car elle va devoir mettre par écrit tout ce que la Vierge va lui dire. Lucia va le comprendre dans un instant. Alors si vous vous mettez à prier le chapelet, ne soyez pas étonnés que viennent des intuitions intérieures, presque des ordres. Fais ceci, pour ton bien. Ça viendra tellement plus facilement. Et alors on fera l'expérience de ce que ça veut dire être guidé par Dieu, en passant par les mains de sa plus fidèle servante, la Vierge Marie. C'est pourquoi, quand on rencontre certaines personnes, même des saints surtout, on est étonné de voir qu'ils visaient chaque fois juste. Entre 1000 solutions à un problème, ils en choisissaient une et c'était la bonne. Parce que guidé par Marie, évidemment. Alors que si on se prive de ce moyen qu'est le chapelet, mon Dieu, combien d'hésitations, combien d'erreurs. Et non seulement on vise juste, mais ceux qui font cette expérience se rendent compte qu'ils ne sont plus impressionnés par les oppositions des hommes. Ça ne les atteint plus. Alors voyez, frères et sœurs, derrière ce chapelet, derrière cet appel où Marie dit « Je veux que vous récitiez le chapelet chaque jour ». Marie a parlé. Il faut la prendre au sérieux. Car sinon, bien des grâces passeront à côté de nous. Alors ce soir, recevons cet appel comme si c'était la première fois que nous l'entendons. Marie parle clairement. Il n'y a pas 36 000 interprétations. Elle parle à des enfants.
aussi est-elle claire. Alors, engageons-nous dans ce chapelet qui a commencé déjà, en disant à Marie, je suis là pour répondre à ton appel. Tu as demandé que le chapelet soit prié. Nous le faisons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Le mal à combattre se Maria.
très sainte Vierge Marie termine, vous l'avez entendu, cette première parole qu'elle donne à Lucia en disant « Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Derrière cette petite phrase, il y a une puissance, frères et sœurs. Elle dit, elle annonce déjà « Je vais vous révéler d'autres choses. » Vous êtes qu'au début. Vous êtes qu'au début de ce qui vous attend. Et quand on dit ça, à un enfant et même à un adulte, il y a quelque chose qui se déclenche dans l'âme. Je suis embarqué dans une histoire qui me dépasse totalement. Mais j'ai à regarder devant. Quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est parti. La dame nous a embarqués dans cette histoire spirituelle, dans cette aventure de sainteté. Et alors, on sait très bien que la vie ne sera plus jamais comme avant. Parce que les enfants savaient que si une dame vient du ciel et qu'elle annonce qu'elle leur dira d'autres choses qu'elle veut de ses trois enfants, ils savent, oui, que maintenant, tout ce qu'ils ont connu, ça fait partie du passé. Et qu'ils ont été choisis pour une œuvre qui vient du ciel. Alors ils vont s'accrocher. Ils vont s'accrocher à ce que la dame leur a demandé de faire. Et Lucia nous dira avec quelle ardeur ils priaient leur chapelet chaque jour, à quelle ardeur ils se sont mis à apprendre à lire, surtout elle, parce que vous allez voir ce qui attend les deux autres. Vous voyez, c'est ça la fidélité. Le peu que j'ai compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris jusqu'à présent? Peu de choses. Ils n'ont eu qu'une, deux apparitions. Mais le peu qu'ils ont compris, ils ne vont plus jamais lâcher. Même si déjà, eh bien, à Fatima, on commence à les suspecter. Qu'importe. La dame veut qu'on soit là le 13 du mois, on y sera. La dame veut qu'on prie le chapelet, on le fera. La dame veut qu'on apprenne à lire, on le fera. Pourquoi? Parce qu'elle a dit « Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Donc, pour être prêt à recevoir les autres grâces, pour être prêt à recevoir les autres lumières, surtout ne pas faiblir, surtout ne pas céder à toute autre attirance. Maintenant, c'est ça notre vie. Et ça le sera pour toujours. Alors, voyez, frères et sœurs, ce sont d'authentiques saints qui nous disent comment faire pour progresser vers la sainteté, ce que tu as compris de la foi catholique. Accroche-toi à ça. Ne renie jamais. Ne renonce jamais. Ne faiblis jamais. Ne te refroidis jamais. Parce qu'un jour, le ciel te révélera ce qu'il veut de toi. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. Frères et sœurs, de manière très simple, je suis passé, vous savez, comme des milliers d'autres prêtres, par un séminaire. De mes yeux, j'ai vu, je vous le dis en vérité, des personnes qui sont rentrées au séminaire avec une ardeur, une sincérité, une vocation certaine. Mais, voilà, manque de fidélité à ceci, au point du règlement du séminaire. Manque de fidélité à tel point de piété. Le chapelet, pas tous les jours. J'en ai pas envie. Qu'est-ce qui s'est passé? La pire des choses. La tiédeur est rentrée dans leur cœur. Et devait arriver ce qui arriva. Ils ont quitté. L'histoire s'arrête pas là, hein. Parce qu'on pourrait dire, dans un langage très moderne, c'est leur liberté. Non, c'est pas leur liberté. Parce qu'ils le voulaient, ce sacerdoce. Ils avaient senti le premier appel. C'était sincère, c'était pas une rêverie. C'était une vocation, c'est-à-dire un appel de Dieu. Et ils s'en étaient réjouis. Avec le temps qui a passé par la suite, par amitié, les relations, je les ai maintenues. Il y a peu de temps, l'un de ceux-là me disait « Je me suis trompé. J'aurais pas dû partir. Mais maintenant, j'ai 50 ans.
La pire des choses que j'ai pu entendre dans sa bouche, c'est... C'est trop tard. Oui, c'est la vérité. Alors voyez, frères et sœurs, c'est sérieux tout ça. C'est très sérieux. Et en même temps, quand on accepte ce sérieux-là, on va connaître l'enthousiasme intérieur des petits. L'histoire n'est pas terminée. Marie est en train de nous guider. Marie est en train de nous amener vers quelque chose de très grand. Oh que oui, de très grand. Si la petite Lucia, du haut de ses 9-10 ans, avait su que bien des années après, un sanctuaire allait être bâti et que des conversions allaient venir, elle, la petite de 10 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est accrochée. Elle n'a jamais fait marche arrière. Et c'est ça la force secrète de Fatima. C'est ça la force, comme on va le faire tout à l'heure, de notre consécration au cœur immaculé de Marie. On sent qu'on bascule. On sent que notre vie maintenant est donnée entre les mains de Notre-Dame. Et qu'elle va nous mener bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Le voulez-vous? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto, sic erat in principio, et nunc et semper,
Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Par vos sacrifices, poursuit. J'ai demandé la guérison d'un malade. La Vierge a répondu, s'il se convertit, il guérira durant l'année. Lucia se rappelle ce qu'elle a vécu durant la première apparition. Être plongée dans la lumière divine, avoir la promesse du ciel. Alors elle ose poser une question, mais inouïe. Elle dit, « Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. » Voilà encore une chose très importante pour progresser vers la sainteté. Demandez ce soir le désir du ciel. Nous ne connaissons pas les délais, nous ne savons pas quand nous quitterons ce monde. Mais si le désir d'aller au ciel, le désir de voir Dieu s'enracine en nous, s'il devient le but principal de notre vie, alors tout va se mettre en ordre durant notre vie terrestre. Ça veut dire que les choix que nous allons faire vont être cohérents, c'est-à-dire dans la ligne de ce grand désir de voir Dieu. C'est ça en fait, quand vous discutez, aujourd'hui c'est possible de discuter même à travers les réseaux, tout ça, avec les jeunes qui ont marché de Paris à Chartres, qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur ? Pourquoi ils ont marché 40 jours, 40 km une première journée, 40 km un deuxième, sous un soleil de plomb, dormant où on peut, sous des tentes, 30 km encore le dernier, 110 km à peu près par jour, sur 3 jours plutôt. Et on veut aller au ciel, on veut voir Dieu, c'est le but de notre vie. Et c'est ça l'espoir du relèvement de notre pays. Voir Dieu. Et si ça implique des renoncements, oui, ça va impliquer des renoncements. Mais on en est capable. C'est la jeunesse d'âme, quel que soit l'âge que nous avons sur les rides. Quelle que soit la jeunesse d'âme, c'est ça. Je suis capable de tous les héroïsmes, de tous les renoncements, si c'est pour voir Dieu. Sinon, il y a toujours matière à négocier. On entend, ouais, mais Dieu ne demande pas de ça. Dieu n'est pas si exigeant. Oui, ça c'est l'expression d'une âme tiède. Alors que les âmes ardentes sont prêtes à tout. Et les petits, là, lorsqu'ils ont entendu qu'il fallait offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs, mais la petite Jacinta, elle est allée très loin, très très loin de générosité. Alors voilà, Lucia dit, je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. La réponse, oui.
Jacinta et Francisco, je vais les emmener bientôt. 1919, ils mourront. Bientôt, elle avait dit. Mais toi, tu resteras ici encore quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À ceux qui s'y adonneront, je promets, le salut et ses âmes seront chéris par Dieu comme des fleurs posées par moi pour orner son trône. Voilà ce qui nous attend. Elle est claire, la Sainte Vierge, non ? Alors, plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Dans la lumière même de Dieu, les enfants purent voir l'expression symbolique des diverses vocations. Quand Marie disait « Je veux, mais toi tu resteras ici quelque temps », Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. En même temps, dira Lucia, devant nous, on voyait les différentes vocations qui existent en ce monde. Le mariage, bien sûr, c'est un appel de Dieu. Le sacerdoce. Lucia dira par la suite, je voyais quantité de jeunes hommes en soutane, symbole du sacerdoce, la prêtrise. Je voyais des jeunes frères, dans leur habit des diverses congrégations, des différents ordres qui existent. Je les voyais, disait Lucia, s'avancer vers leur monastère, l'âme réjouie. Toutes les vocations, comme la Vierge Marie disait, je veux me servir de toi. En même temps, dans ce court message, Jacinthe et François apprennent qu'ils vont bientôt aller au ciel. Après l'apparition, imaginez les enfants, ce sont des enfants, parler entre eux. Et Lucia se rappellera de ces dialogues entre eux. Et parce que François n'entendait rien, il voyait la Vierge mais n'entendait pas les messages. C'est Lucia et Jacinta qui lui disaient après. Et quand François a appris que bientôt il irait au ciel, il s'en est réjoui. Je serai donc avec elle pour toujours. Voyez comme ça change complètement le rapport à la mort. Un enfant, on pourrait dire, mais mon Dieu, mais comment la Vierge peut-elle dire des choses pareilles ? Aujourd'hui, on dirait qu'elle manque de psychologie enfantine. Bientôt, on enverra la Sainte Vierge faire des cours de psychologie, hein, ou plutôt en suivre, si c'est comme ça. Parce qu'au mois de juillet, elle leur montrera l'enfer aux enfants. Ce n'est pas à Notre-Dame qu'on fait des cours. Hein. C'est elle qui enseigne. Ce n'est pas nous qui l'enseignons. Et là, elle dit aux enfants, « Bientôt, je vous chercherai. » Les enfants se sont réjouis. Vous voyez, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de discours. Il n'y a que à contempler la pureté d'âme. Et peut-être à demander une grâce. Le Sacré-Cœur avait fait différentes promesses à Sainte Marguerite Marie à la Coque, dont une, de leur annoncer, quelque temps avant, le moment de sa mort, à ceux qui se seront attachés au Sacré-Cœur du Christ, pour qu'ils aient le temps de la pénitence. C'est pourquoi certains fidèles catholiques qui sont à la fin de leur vie et qui souffrent dans leur corps, cancer, je ne sais quoi encore, hein. Que certains leur disent comme ça, mais tu ne voudrais pas qu'on abrège tes souffrances ? Vous voyez ce que je veux dire, hein. Les lois françaises vont dans ce sens actuellement. Et un homme avait dit, pourtant âgé, « Oh que non, j'ai besoin de ce temps, même dans la souffrance, pour me préparer à voir Dieu. Ne me volez pas ce temps !» Dès qu'on est face à l'éternité, tout devient clair. Vous enlevez la perspective du ciel, tout est brouillé. Et une personne en fin de vie, mais oui, allez, il faut la faire partir, comme ça elle ne souffre plus. Mais on lui enlève ce temps.
Et après, c'est pour toujours. Pour toujours. Alors demandons, durant cette dizaine, que Marie dépose en nous le désir du ciel. Et après, nous allons continuer notre vie sur la terre. Les plus jeunes d'entre nous pour de nombreuses années, sans doute. Mais gardant le but, je sais où je vais. Et je prends les moyens pour. Parce que je le veux, ceci. Et je sais que l'adversaire est là pour m'en détourner. Évidemment, on n'est pas naïf. Vous voyez comme l'apparition de Fatima est capitale, comment l'apparition de Fatima est claire. Non seulement dans ce que la Vierge vit, mais dans les réactions des enfants, qui sont eux-mêmes, elles-mêmes plutôt ces réactions, des enseignements. Très bien. Laissons faire la grâce en nous ce soir. Vous entendez des enseignements, mais ce que Dieu veut faire dans votre âme est plus important encore. Recevez tout ceci, que ça résonne en vous. C'est étonnant de voir comment Marie peut être si claire. C'est la vérité. Rien de plus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc
conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Suivons notre Mère, du chapelet de la Sainte Vierge. Après avoir entendu cette annonce que Jacinta et Francisco allaient bientôt être emmenés au ciel et qu'elles devraient rester, elles, sur la terre, voici la question de la Sainte Vierge, de Lucia plutôt. « Je vais rester seule ici ?» demandai-je tristement. « Non, ma fille. Cela te fait beaucoup souffrir. Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Ces phrases-là sont d'une puissance inouïe. Cela te fait beaucoup souffrir ? Voyez, la Vierge Marie ne berce pas Lucia de folles illusions. Ça pourrait être un peu la tentation de toute personne, d'une maman, d'un papa, de verser un peu dans l'irréel, vous savez. Ne t'inquiète pas, des phrases comme ça qui font plaisir sur le moment, mais qui ne sont pas réalistes. C'est-à-dire, ça ne correspond pas à la vérité. Là, la Vierge Marie lui dit, cela te fait beaucoup souffrir. Le choc du réel, par moment, peut être fort et violent. Mais tu dois passer par là aussi. Ne te décourage pas. Donc, voyez, la Vierge Marie, comment elle procède dans son éducation spirituelle, elle ne dit pas, je te berce de douces illusions. Je te communique la capacité à faire face. Voilà comment elle réagit. Et la Vierge Marie est reine. Elle ne va pas dire « les combats vont disparaître comme par enchantement ». Non. Mais la reine du ciel que je suis, pourrait dire la Vierge, te communique à toi la capacité à faire face. Je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est l'expérience concrète que Lucia a fait jusqu'à son dernier jour. L'expérience, et ça aussi c'est une conséquence de notre consécration au cœur immaculé de Marie, d'expérimenter concrètement, réellement, au cœur même de tout ce qui se passe, non seulement la présence de la Sainte Vierge Marie, mais comme elle le dit, son refuge, le refuge qu'est son cœur. C'est-à-dire qu'il se passe des choses à un moment dramatique. Mais on n'est pas ébranlé. Parce que c'est ça le refuge du cœur immaculé de Marie. Il n'y a pas cet ébranlement que certaines personnes connaissent parce que, voilà, ça s'acharne, ça s'acharne, ça s'acharne. Non. Jamais. Et cette constance fait qu'à la fin, on est conduit jusqu'à Dieu. Parce que justement, certaines souffrances en ce monde, si on n'est pas soutenu par le cœur immaculé de Marie, deviennent tellement scandaleuses, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus, qu'on se dit « non, c'est fini, je ne peux plus prier, ne me parlez plus de Dieu, j'en veux plus ». Et c'est le scandale du mal. C'est une tentation. Quand on se consacre au cœur immaculé de Marie, il y a une protection qui fait qu'on ne tombe pas dans cette tentation-là. Non, ça nous conduit jusqu'à Dieu. Pourtant, ce qu'elle vient d'entendre, Lucia, est énorme. Et
Qu'est-ce qu'elle connaît de la vie? Peu de choses. Les seules choses qu'elle connaît, c'est le travail dans les champs et l'amitié si lumineuse avec son cousin et sa cousine. Et la Vierge Marie lui dit, ça va être enlevé. Qu'est-ce qui lui reste? Vous voyez, il faut se mettre à sa place pour comprendre le choc qu'elle est en train de vivre. Et Marie sait que pour préparer l'avenir d'une personne, il faut la confronter à ces chocs-là. Sinon, elle devient enfantine et infantile toute sa vie. Marie ne va pas épargner, non pas parce qu'elle veut secouer Lucia, mais qu'elle sait que c'est nécessaire. Bien. Alors, lorsque viendront des choses qui nous secoueront, on pourra se dire, « Bien, je suis en train d'être préparé. Ça prépare la suite. Je dois passer par là. Amen, qu'il en soit ainsi. Marie sera mon refuge toujours. Alors, on y va. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus,
préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chez nous, soyez Après avoir dit ces paroles, poursuit Lucia, ce fut au moment où elle dit ces derniers mots qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la seconde fois le reflet de cette lumière immense. En elle, nous nous sommes vus comme engloutis en Dieu. Jacinta et Francisco paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et moi, dit Lucia, dans celle qui se répandait sur la terre. Devant le paume de la main droite de Notre-Dame, il y avait un cœur qui semblait percé par les épines qui l'entouraient. Nous comprîmes qu'il s'agissait du cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité qui demandait réparation. Voilà, être plongé en Dieu. Dans quelques semaines, des jeunes se rendront à Lourdes. Une partie de ces jeunes sont là, avec nous, ils prient ce soir. Quand vous serez devant la grotte, c'est la grotte de Lourdes, mais pas Fatima, mais c'est la même Vierge. Hein. Vous vous rappellerez de ça. Lucia, Jacinta, Francisco étaient dans cette lumière immense et intense. Ils étaient comme plongés en Dieu. Demandez-le, quand vous serez devant la grotte, dans quelques semaines. Ô Marie, faites-nous sentir ce que c'est que d'être en Dieu. Déposez dans notre âme un peu de cette joie immense, intense du ciel, du paradis. Que ça vous marque l'âme pour toujours, comme une cicatrice d'amour qui jamais ne se fermera. Et on ne veut pas qu'elle se ferme, sinon on oublie. Ils l'ont vécu, les trois petits. Et du haut du ciel, ils vous voient, vous, les jeunes qui allez partir à Lourdes, comme leurs frères, leurs sœurs de la terre. Et bien sûr qu'ils prient déjà Notre-Dame au ciel pour que ce pèlerinage à Lourdes, devant la grotte, soit une rencontre avec Marie, comme Bernadette l'a vécu, comme eux, les trois petits de Fatima, l'ont vécu. C'est ça ce qui vous attend. C'est pas un voyage, c'est pas un événement organisé pour des jeunes, c'est une rencontre avec Marie. Vous n'oublierez pas, nous étions en Dieu, dans cette immense lumière. Dans les jours qui vous séparent de votre pèlerinage, dans votre prière secrète du soir, lorsque personne ne vous verra et que vous serez seul avec votre chapelet dans les mains à prier Notre-Dame, dites-lui, ô Marie, je le souhaite moi aussi. Cela va soutenir ma foi. Cela me permettra de comprendre l'appel que Dieu m'adresse.
Je le veux. Après l'apparition, bien sûr, Lucia savait qu'un jour elle serait seule. Après la vision, François s'étonnait. Tu te trouvais avec Marie, disait-il à Lucie, dans la lumière qui descendait vers la terre, et Jacinthe et moi, dans celle qui montait vers le ciel. Lucie le lui expliqua. La prophétie qu'elle formula sur son propre compte est à signaler et s'est réalisée à la lettre. C'est que, répond Lucia, toi et Jacinthe, vous irez bientôt au ciel. Et moi, je resterai avec le cœur immaculé quelque temps encore sur la terre. Combien d'années resteras-tu ici ? Demanda François. Je ne sais pas. Beaucoup d'années. C'est Notre-Dame qui te l'a dit ? Oui, c'est elle. Et je l'ai vue dans cette lumière qu'elle nous mettait dans le cœur. Jacinthe confirma ce que je disais en déclarant « Oui, c'est bien ainsi. Moi aussi, je l'ai vue ainsi. » Et alors Jacinthe va encourager Lucia. Elle lui dira « Notre-Dame a dit que son cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu. N'aimes-tu pas cela beaucoup ?» dit la petite Jacinta de 6 ans. « Moi, j'aime tant son cœur. Il est si bon. » Vous voyez comme elle encourage déjà sa cousine. « T'inquiète pas. Elle a dit que son cœur sera ton refuge et le chemin qui te conduirait à Dieu. N'aimes-tu pas cela beaucoup ?» La petite Jacinta est déjà une sainte et une grande maîtresse de vie spirituelle. Elle est en train de dire à Lucia « N'écoute rien d'autre. Retiens seulement ce que Marie t'a dit. » Le reste, c'est des paroles creuses. Le reste, ça passe. Retiens ça. Elle te l'a dit. C'est comme ça que ça va se passer. Alors toi, qui vas à Lourdes bientôt, si tu ressens dans ton cœur certaines paroles, note-les, retiens-les toute ta vie. Accroche-toi à ça. Et la petite Lucia, la petite Jacinta plutôt, te dira « N'aimes-tu pas cela beaucoup ?» Voilà comme elle parle. C'est si simple. Et c'est si vrai. Quand elle dit « beaucoup aimer », ça veut dire « Accroche-toi à ça, Lucia. Rien ne t'arrivera. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous
vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pécheurs, maintenant Gloria, Patri et Filio. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. À la première apparition du 13 mai, il n'y avait que les trois enfants. À l'apparition du 13 juin, il y avait déjà 50 personnes qui étaient venues. Et ça va grandir. Le 13 octobre, durant la dernière apparition, ils seront 70 000 personnes. Et quand les enfants allaient vers le chêne vert, pour voir la Vierge, quantité de personnes criaient vers eux en leur disant « Dites à Notre-Dame ceci, demandez telle guérison, que mon mari, que mon fils rentrent de la guerre. » Et les enfants, ils disaient tout à la Sainte Vierge. « Voilà les intentions de prière qui nous sont confiées, Marie. Et vous qui allez à Lourdes, vous allez faire pareil. » Il y a déjà des intentions de prière dans cette enveloppe. Il y en aura encore d'autres. Vous allez être comme Lucia, Jacinta et Francisco. Vous allez les présenter à la Sainte Vierge. Là-bas, à Fatima, les gens comptaient sur les trois enfants. Vous lui direz à Marie, vous lui parlerez de ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Les gens qui ont écrit ici des intentions de prière comptent sur vous. Marie attend que vous lui présentiez ses demandes. Alors avant la consécration du cœur immaculé, qui va clôturer cette veillée Fatima, les jeunes qui vont aller à Lourdes et qui sont présents, ils ne sont pas tous là, mais certains, venez, approchez, proche des marches du cœur, pour recevoir ces intentions dont vous avez la mission de les présenter à Marie. Recevez ces intentions de prière. Vous les porterez tous dans votre cœur. Vous les présentez à Notre-Dame. Et pour cela, que la grâce du Seigneur descende sur vous, pour que vous puissiez accomplir cette tâche noble et précieuse, cette tâche spirituelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vivons maintenant la consécration. Je vous choisis aujourd'hui, au matin, en prison.
la prière de Notre-Dame de Fatima, à la prière des trois petits voyants, daigne Dieu répandre sur vous sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et honorons encore Notre-Dame. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Fatima, on respecte le calendrier de la Sainte Vierge. À bientôt.